Et salut à vous tous les amis, les viewers, les abonnés, bonjour à vous membres de la chaîne et de la communauté French Open Youtubers, comment allez-vous? C'est LT, qui a horreur du 1er mai, plus connu sous le nom d'LT Guigui Giga, soyez les bienvenus. Donc nouveau tuto Minecraft sur la voiture de course, alors donc je m'en ai fait pour le tuto précédent, il y a eu un gros fail, j'ai oublié de faire une roue. Donc voilà, je suis sûr que vous l'aurez remarqué, mais moi, après avoir visionné la vidéo, j'ai vu ça, et là je me suis dit, what? Et bah donc, voilà. Donc j'ai réparé ma connerie, j'ai mis la roue manquante. Et donc là, cette fois, je vais faire directement les roues avant, comme ça je serai vraiment plus sûr de faire attention. C'est parti, aujourd'hui on va donc tout simplement représenter la toute dernière monoplace de Formule 1 d'Ayrton Senna, donc mort le 1er mai. Voilà, ça fera 22 ans jour pour jour, en plus un dimanche. Signe du destin, en quelque sorte. Et donc, pour ce 1er mai, il y aura le Grand Prix de Russie de Formule 1. Un 1er mai. Moi, perso, j'étais contre parce qu'il ait lieu le 1er mai. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit le 1er mai que le 17 juillet parce que j'ai lu un film dans le 17 juillet et le 17 juillet, c'est un peu plus récent. Ayrton Senna mort le 1er mai lors du 7e tour du Grand Prix de Saint-Marin de 1994. Triple champion du monde de Formule 1. Donc il avait 161 Grands Prix. Couru en son compteur, il avait remporté 41 victoires en course, donc ça fait globalement 25%. Qui est vraiment très rare en Formule 1. Ça pourrait être bon. Et voilà donc à quoi ressemble donc sur Minecraft donc la Formule 1 d'Ayrton Senna de 1994. Donc voilà. Bon, il faut dire voilà 94, il n'y avait pas tous ces trucs, toutes ces dispositions de sécurité qu'on va voir à l'horizon de 2017, dont ils ont mis justement les nouvelles règles en vigueur pour la saison de Formule 1 de 2017. En début de semaine. Début de semaine, donc du coup, pour le coup, c'est plutôt plutôt cool. Donc, de connaître les règles de 2017 quand même assez à l'avance. Alors, donc en parlant de sécurité, donc, Ayrton Senna, comment il avait fait beaucoup de choses pour que la sécurité soit plus présente en Formule 1, tout comme Alain Prost, c'était entre guillemets les deux gros piliers de la sécurité en Formule 1. Et
Et donc là, il faut dire que donc ce qu'ils ont décidé en 2017, donc il y aura une protection au niveau de la tête pour chacun des pilotes au niveau du cockpit. Donc si je vous ai montré donc une Formule 1 de 2017, c'est l'un de mes tutos que j'avais fait le mois dernier. Et donc je vous conseille vraiment de regarder parce que là franchement ce que je vous ai montré ça pourrait vraisemblablement ressembler à ce qui est annoncé pour 2017. Donc autant dire profitez-en voilà, pour acheter un coup d'œil. La saison de Formule 1 de 2017 ça fait la plus depuis 2015 donc franchement, je vous conseille d'aller voir ce tuto que j'ai fait. Même si il est en ligne que depuis un mois. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Chers viewers, chers abonnés, on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos. Donc, ne manquez pas donc nos prochaines vidéos à venir et notamment Life. La FAQ, mon deuxième, une nouvelle vidéo sur Dirt 2, voilà ma deuxième vidéo Rallye Raid sur Dirt 2 et la deuxième manche de mon championnat de France de GT et prototype, le GT Tour sur Gran Turismo 6, ce sera dans les rues monégasques. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, c'est les petits clous, bye bye, à la prochaine.